Vous saluez tous dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Une salutation spéciale à ceux qui me suivent du live et aussi bien aux ceux qui sont ici sur la paix. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous faisons cette déclaration? Dis, Seigneur mon Dieu, louez-toi pour la grâce dans la vie. Merci Seigneur, que tu sois moi. Lave-moi, donne pardonne-moi, donne justifie-moi, pour capable, présente-moi devant toi comme un enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il te compte en moi, te pas quitte-moi tout seul, donne-moi ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, pour la protection de Dieu dans mon vie. Me confesser, me peut béni, me peut faire progrès. Me déclarer, et il y a un avancement, un progrès dans toute dimension, dans tout domaine de la vie. Je peux vivre longtemps, un long la vie, béni, heureux, rassasié des bons jours. Je peux enrichir, je peux prospérer par toute la grâce et pour ton œuvre. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prendre place. Gloire à Jésus. Je suis bien content que vous êtes persévérés. Je suis bien content que les autres puissent continuer à venir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous trouvez vos frères ou sœurs, pas venir à une réunion, téléphonez, prends ce nouvel, encouragez pour une réunion, pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir recevoir ce divin quotidien. Petit mot message, c'est Ena en l'équerre qui est pur. Il y a un équerre parfait, après mon message, on dit un équerre qui est pur. Bon, vous commencez pas, vous prenez crédit là, mais ça peut venir à mon tête. Première fois, moi, tiens, pour partir, pour aller étudier, bien sûr. Maintenant, je te dis, mais un paletot quand tu es parti. Pas capable de dire, c'était une chemise, c'était un pantalon. Vous avez un paletot, un costume quand tu es parti. Qui fait, vous avez un costume, master? Ah, qu'est-ce que le costume? Pas connu. Pena costume, c'est un gros jacket que tu mets toi aller. Mais qui va faire un jacket là, là-bas si tu veux faire ça? Pas connu. Non, à cause, il y a beaucoup de postes. Un devant les réseaux sociaux de moi, il y a beaucoup de postes. Mais tu as besoin de beaucoup de casseurs, toi. Pas de casseurs dans tes valises. Pas de tes postes pantalon. Garde de tes postes partout. Fini de garder là, dans tes postes. Pas pour que tu aies ses places. Quand fini garde, quand tu gardes ça, mais de pose pas de. Non, garde en dans côté l'équerre. Il besoin d'esprit côté l'équerre. Pour ne pas perdre. De partout, on donne un pose. Dans côté gauche. Garde là après côté l'équerre. Tu casses bien l'esprit côté l'équerre. Mais tu pouvais l'eau, il plie bien encore. Non, mon frère, mon sœur. Ça cause du parcours de la vérité. Nous faisons croire de ça, mais c'est Jésus-Christ qui nous a donné l'équerre. Amen. Gloire à Jésus. Pour un humain, je vais vous dire l'équerre, et un équerre pur, pour un être humain, ce l'équerre, c'est un organe vital, très important. Je ne vais pas dire plus important, non, mais je vais dire très important. Scientifiquement, ben là, pour dire c'est un muscle, parce qu'en tout temps, il peut faire ce travail, même lui. Tu peux manger, il peut continuer à faire ce travail, il peut continuer à travailler pour 10 ans. Tu peux dormir, il continue à faire ce travail. C'est ton équerre. Il fait sa fonction 24/24, 7/7. Il transporte 10 ans, bien sûr. Oxygène, glucose, par contre, qui a fait encore. Ça va être scientifique, moi, prends ta dent. Dans ton écho, dans toute partie de ton écho. Prends depuis la tête jusqu'à ton équerre, c'est ton équerre qui a sa responsabilité là. Mais à cause, nous, l'équerre physique, nous, l'équerre humain qui nous est là. Mais la Bible, quand il peut mentionner sa mot, l'équerre là, il peut cause plus qu'il sa organe, plus qu'il sa muscle qui est dans ton écho, là, mon frère, mon sœur. C'est plus qu'un membre dans ton écho. Quand la Bible fait mention, il servit le mot cœur, il peut cause de l'homme intérieur. Nous disons ça, mot l'homme intérieur. Qu'est-ce que ça passe, c'est mot l'homme intérieur? Un jour, il vient de cause brite en toi. Physiquement, en dehors, tu n'as pas gagné, tu n'as pas blessé, tu n'as pas égratigné, tu n'as pas coulé. Mais il est capable de blesser toi intérieur.
Il n'y a plus que ça qu'on ne peut cause l'homme intérieur. C'est le tout de toi-même. On fait ça de tout mon cœur pour lui. Mais c'est le tout de toi. Tu fais tout ce que tu es capable de faire. Il peut cause ton âme, bien sûr, quand il cause ton cœur. Quand la Bible peut cause ton cœur, il peut cause ton sentiment. Il peut cause ton émotion. Il inclut ta dévotion, ta volonté, ton zèle, mon frère, mon sœur. Tu as la soif pour Dieu, car Dieu peut cause ton cœur. Bien sûr, il y a tout l'amour là-dedans. Il cause de l'intelligence. Il cause toute capacité intellectuelle, émotionnelle, psychologique et n'importe qui encore. Alors, au fur et à mesure que vous dites ça, mon équerre là, pense à quelque chose qui vous peut mettre devant vous là, qui veut dire l'équerre. Quand nous causons l'équerre, il peut aussi causer la vie. De la vie intérieure, ton caractère, ton manière, quand il peut causer l'équerre, ton sentiment, ton émotion, quand nous finissons dire. Pour bon Dieu, tu es le plus important, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, quand je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel cause avec Samuel. Tout le monde jeune avait frère Samuel un message, un call phone. Fait connaître, nous avons trouvé, l'Éternel peut cause avec lui. Amen. Dieu ne pas regarde ton apparence. Nous disons ensemble, bon Dieu, ne pas regarde mon apparence. Parce que, mon frère vous dit acteur, mon sœur vous dit actrice. Moi pas un acteur. Bon Dieu ne pas regarde mon apparence. Li pa get mo hauteur, li pa get mo taille, mais bon Dieu get mo l'équerre. Vous trouvez qui bon Dieu était? Bon Dieu pa get to l'apparence. Ça dans le film ça. Capable marquer dit moun là, fait li paraître plus jeune, plus vieux. Dans le film, il fait acting, capable paraître plus haute, plus courte. Quand même acteur là plus courte qui actrice, nous capable faire même hauteur dans le film. Quand marqué ça plus long, quand fait une plus courte dans le film. Ça, c'est de la tournage, un tricasse de confère. Mon frère, mon sœur, bon Dieu, il pas de l'apparence. Ne prends point garde à son apparence. Bon Dieu, il pas de mon hauteur. Il pas de cette hauteur physique. Moi qui fais ça, moi. Non, il pas de cette hauteur. Comme un casse comme tes affaires. Non, bon Dieu, pas qualifié toi avec ça. Ni de taille. Ni à cause de étudier trop beaucoup, ou ça ne te pas de faire l'étude. Bon Dieu, servis-toi. Bon Dieu, lui-même, mon frère, mon sœur, le potier, il est capable de craser-toi, moule-toi, servis-toi de la façon qu'il y a envie. Bon Dieu, il ne considère pas ce que l'homme considère, ce qui frappe les yeux de l'homme, ce que l'homme peut chercher, ce qui frappe regard. Mais l'Éternel regarde au cœur. Devant bon Dieu, mon frère, mon sœur, tu n'es pas capable de faire semblant, mon frère, mon sœur. Devant pasteur, tu es capable de faire comme un acteur, une actrice, on s'en compte, mais tu as besoin d'un liquide pur, gloire à Jésus. Un liquide qui est honnête vis-à-vis de bon Dieu, un liquide qui est sincère devant bon Dieu. Je peux venir là-bas, mais qui fait que venir là-bas? Je peux guetter parce qu'il n'arrive pas pour moi, il y a comme ça, je peux venir. Vini pour te rendre la parole de Dieu, amen. Mon frère, mon sœur. Amen. Gloire à Jésus. Devant Dieu, devant pasteur, pas faire acteur, pas faire actrice, mais énaine de cœur honnête, sincère. Amen. Mon frère, mon sœur, ce qui doit te le cœur, tu as besoin d'examiner en deux mots. Ce qui doit te le cœur là, mon frère, mon sœur, ça même qui bon Dieu peut guetter. Examiner et considérer qui tu es dans ton cœur. Gloire à Jésus. Ici, il peut dire nous, Samuel, il besoin d'aller dans la maison de Isaïe pour lui rendre un de ce bon garçon pour venir le roi. En fait, il peut cause David là. Pour lui rendre David. Samuel finit envoyé par Dieu pour lui rendre David. Regardez qui bon Dieu dit ça, même verset là. 1 Samuel 16, verset 7. But the Lord said to Samuel, do not look on his face. Know on his height,
because as I have refused him. Pas get so figure, pas get so hôtel, vous finissez refuser ça. Parce que bon Dieu, il n'est pas get pareil comme l'homme qui était, mais bon Dieu, il n'est pas get l'apparence extérieure, but the Lord looks at the heart. Heart veut dire l'homme intérieur, ta façon de penser, ta volonté, ton âme. Mais aussi quand Samuel finit rentre dans la maison de sa papa là, papa là connaît que Samuel finit venir là-bas le prophète. Bien sûr, vous prenez repas, vous pouvez faire sacrifice et tout. Mais bien plus que ça, il connaît que le prophète pour choisir un de ce bon garçon pour venir roi. Hein, pas sa premier garçon là, ça a un coup, il est bien fort. Il est là, il parle ça, il est plus joli. Pas là, ça, il est bien. Il a une tellement de capacité, une tellement de choses qu'il peut faire. À cause ça, bon Dieu, et même le prophète dit, oui, c'est lui-même. Bon Dieu, il n'y a pas de ça. Pas de ce qui peut frapper tous les yeux, ne pas de l'apparence, ne pas de ce qui fait semblant. Mais bon Dieu, il y a ce qui décrit, mon frère, monsieur. Ton désir, bon Dieu, guéris-toi. Ton désir, bon Dieu, choisis-toi. Tu as ce désir-là qui, bon Dieu, fait ta prospérer. Dresse-toi les cœurs devant bon Dieu, mon frère, monsieur. Et il y a un lequel pur, un lequel sincère, un lequel fidèle, un lequel qui prie avec Jésus-Christ. C'est très important. Nous pouvons être Proverbe chapitre 15. Côté lequel il était. Il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça. Là, côté trésor était. La même côté lequel pour être. Quelque chose n'a plus beaucoup valeur. Proverbe 15, verset 11. Le séjour des morts et la vie sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Ces jours des mots, l'abîme lit devant les yeux, bon Dieu. Combien plus les cœurs ben, du monde devant les yeux, bon Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te peut cacher devant bon Dieu? Tu veux faire comment dire, Caïn, il a tué son frère, après il a caché son frère, il a l'enterré, il a couvert lui. Quand bon Dieu, j'ai dit, mais côté ton frère Abel, il m'a veillé mon frère, moi, je connais côté qui était moi. Non, tu n'as pas qu'à cacher bon Dieu trouve tout, mon frère, mon sœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te peut cacher, te peut faire en secret, qui ton maman, ton papa pas connaît, ton mari, soit ton madame pas connaît, tes enfants pas connaît, tes parents pas connaît? Tout ce qui te fait, bon Dieu trouve tout, mon frère, mon sœur. Amen. Pénal n'a rien qui cache devant les yeux, bon Dieu. Non, rien qui dans le ciel pas cassé devant les yeux, bon Dieu. Même dans l'univers. Mais non, rien qui cassé. Scientiste, astère, puis elle découvre une nouvelle planète, une nouvelle étoile, c'est pas qu'ils ont fait un nouveau. Mais bon Dieu, de ça qu'on tout, il trouve tout. Non, rien ce qui est la terre pas cassé devant les yeux, bon Dieu. Non, rien ce qui est en bas la terre, c'est pareil. Parce que abîme ces jours des mots, là. Amen. Combien plus, bon Dieu, il trouve et il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Il y a un don dans mon équerre, ça, tu n'as pas pour connaître. Devant ce lisier, je peux causer, je peux dire correct, je suis bien content. Mais il y a ce lisier, je peux critiquer, je peux dire mauvais quelque chose. Bon Dieu, connais ton équerre. Oh, tu n'es pas capable de faire ça, mais pas avec Dieu. Tu n'es pas capable de faire semblant. Tu n'es pas capable de tricher avec Jésus-Christ. Tu n'es pas capable de cacher ton rien, parce que bon Dieu connaît tout. Nous disons ça ensemble. Mon bon Dieu, il connaît tout. Il trouve tout. Gloire à Jésus. Proverbe 4, verset 20. Qui projet de te cacher de te l'écrire, de te concevoir? Qui pensait tu es non? Proverbe 4, verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gloire à Jésus. Mon fils, et bien qu'aux toi, moi, c'est ma fille, mes enfants, tu as besoin attentif à la parole de Dieu. Amen. Que veut dire attentif? Écoute bien. Écoute-lui bien. Attentif à la parole de Dieu. Et on est ici à ce encore faire lire. On t'en me rappelle, surtout dans le français, faire dicter. Quelle est sa dictée là? Ça veut dire que tu tiens ton pain, ton cahier là. Peine à n'en rien à part ça.
avec ta plume, ça crée un papier là. Professeur, tu sais donner un papier, c'est pas un livre pour lire. Tu as besoin d'écouter bien pour t'écrire un mot là. Bien, besoin d'écouter bien là. Attentif. Qui dit peut dire là? Ça, eux là qui dit besoin que ça. Accent aigu, ça, accent grave, il peut dire là. À la besoin avant ou soit à l'autre là, la besoin avant. Besoin d'écouter bien là, quand tu fais dicter. Mais quand tu es attentif, tu écoutes plus bien que ça en quoi, c'est-à-dire. Il passe écoute là-haut, là-haut. Ouais, mon temps, dis ça. Pas ton temps, dis ça. Connais bien. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mon discours. Qu'il n'est pas éloigné de te lisier. Oui, n'y cause aux oreilles, pasteur. Attentif. N'y cause au la tête, le mot mémoire, le mot intelligence. N'y cause au mot lisier, n'y cause au toléquer. Garde-les dans le fond de toléquer. Quand tu as la parole de Dieu, dans le fond de toléquer. Parole de Dieu, pas besoin de ta tablette. L'homme est en zéro, pasteur. L'homme est en moi, je te garde le jour là. L'homme est miraille, je te connais. Dans ton équerre, il besoin de dans un moment difficile, c'est que dans ton équerre, il besoin de dire. Amen. Dans une situation, il y a une épreuve qui te fait face. Garde parole là dans le fond de ton équerre. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu gardes parole là dans le fond de ton équerre, la vie pour manifester. Gloire à Jésus. Comprends les gains, révélation, confessez, garde la bonne nouvelle. C'est la santé pour tous les corps. Voilà la raison qui fait que tu ne pas senti toi bien. Je suis mal à l'aise, pasteur. Je ne suis pas bien, pasteur. Je suis mal au cœur, pasteur. Je suis mal au pied, je suis la main, je ne suis pas bien, pasteur. Parce qu'il y a la parole de Dieu dans tous les cœurs. Quand tu remplis toi avec la parole de Dieu, tu gardes la parole de Dieu dans tous les cœurs. La vie, la santé, bien manifester. Gloire à Dieu. Garde parole de Dieu bien dans le fond de l'équerre. Qui fait que vous avez garde parole là? Qui fait que vous avez garde une autre parole ou garde parole de Dieu? Parce que parole de Jésus-Christ, mon frère Mosir, raison principale qui fait que vous avez garde parole de Dieu, c'est parole vivante. Parole de Dieu, c'est parole de la création. Bon Dieu, il crée toute chose dans sa parole. Garde-le bien dans le fond de l'équerre. Afin qu'aucune épreuve n'ait pas déraciné parole là, n'ait pas enlevé parole là. Garde-lui dans le fond de l'équerre, afin qu'aucune maladie pas capable de rester en toi. Garde-lui au fond de l'équerre, afin que le diable, séduction, tentation, épreuve, peu importe qui y était, n'ait pas enlevé, n'ait pas déraciné la parole qui te fait entendre. Satan, le diable, lui rusé. Quand on écoute la parole, il est venu pour déraciner la parole, pour coquin parole. Là. Tu veux garder bien dans le fond de l'équerre, mon frère, monsieur. Chacun de nous, nous avons la responsabilité, mon frère, monsieur, pour garder la parole de Jésus-Christ dans l'équerre. Quand on peut dire l'équerre, on peut cause dans ton âme, garde la parole de Dieu dans ton esprit, garde la parole de Dieu dans ta vie, garde la parole de Dieu dans ta pensée. Dans toute l'intelligence, la liste ça contient, dans tout l'homme intérieur, mon fini fait la liste, elle est là. Amen. Garde parole là. Afin qu'aucun oiseau du ciel ne vienne dévoler. Ceux qui font plantation, connaît. Si on garde la graine là-haut, là-haut. Les oiseaux pour venir pour manger. À cause ça, vous avez été bien au fond. Amen. Afin qu'aucun soleil ne brille sa parole là. Parole qui est dans la vie et dans la santé pour toi. Afin qu'il n'aurait pas déraciné, mais il grandit. Et pas il grandit, il porte bon fruit, mon frère, monsieur. Le verset 23, tu as lié le verset 23 encore une fois pour moi, monsieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, quand de lui vient les sources de la vie. Qu'est-ce que ça fait, vous plus que tout quelque chose? Qui nous fait plus que tout quelque chose? Nous l'équerre. Nous disons ensemble, mon bisin. Veille l'homme, l'équerre. Plus que tout quelque chose. L'homme qui te faisait veiller. L'autre l'équerre, chacun veut l'autre sur l'équerre. Tu n'as pas veut l'autre sur l'équerre, tu veux l'autre propre l'équerre. Plus que tout qui chose. Veille l'autre l'équerre, plus que ça nouveau portable, tu ne fais casser là. Il y a du monde qui a assez ce portable. Sur l'équerre, sur l'isier, encore là-dedans, même là. Il va pour quitter sur l'isier. Il va travailler, il va amener, il va dormir, il va amener. Même un portable là, si vous dormez, comme celui-là. Il va à la toilette, il y a un portable là. Non, vélo là, plus qu'il tout quitte chose, plus qu'il tout le tout, plus qu'il tout présidier, plus qu'il tout portable, plus qu'il n'y a pas de qui quitte chose, vélo tout l'équerre.
mon frère Moussé. Veut dire que c'est vraiment important. À cause de ça, tu as besoin de l'eau, lui. Tu as veillé, attention, lui, arrête de battre. Attention, arrête de faire ce travail. Veillez qu'il y ait une bonne parole là-dedans en tout temps, la parole de Dieu. Veille nous les cœurs, veut dire veille ton manière, ton caractère. Ton équerre veut dire ça. Qui caractère tu as? Mon sap local. Mais veille les cœurs là, pour te pas sap local. Mon raté pasteur, de place dire Alléluia, mon azuren. Veille ton équerre. Il y a important ça quand on est à cause de l'équerre là. Veille ton émotion. Mon gagne une nouvelle pasteur, ça ne fait moi affaibli, ça ne rend moi triste. Mon n'ai plus envie de venir à l'église, mon n'ai plus envie de prier à cette terre, mon n'ai plus envie de se souffrir. Veille à ton émotion. Il veut cause de tous les cœurs là. Qu'il n'y ait pas d'errance à ton émotion, ton dévotion, ton sincérité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de réunion. Veille à ton cœur plus que tout qu'il chose. Veille à ton cœur plus que tout manger et boire. Et là, Dieu prend bien soin qu'ils peuvent manger et peuvent boire. Ça ne m'a pas mangé, ça ne m'a pas plus, ça ne m'a pas moins. Veille tous les cœurs plus qu'ils sont, frère Moussier. Veille tous les cœurs plus qu'ils te peuvent dormir. Plus qu'ils tout quitte chose, non? Veille tous les cœurs plus qu'ils te travaillent. Veille tous les cœurs plus qu'ils te l'habillement. Veille tous les cœurs plus qu'ils te la case. Bizarre, veillez sur le banc à faire là. Mais tous les cœurs plus qu'ils sont. Amen. Veille tous les cœurs plus qu'ils te famille. Garde ton cœur. En anglais, il dit pas Jésus, garde ton cœur. Il dit above all, guard the door of your mind with diligence. Veille tous les cœurs, protège tous les cœurs et veillez qu'aucun quelque chose mauvais, aucun autre quelque chose ne prend place tous les cœurs. Dans tous les cœurs. Jésus, bon Dieu, tu sais. Bon Dieu, tu sais. Pas garçon à ce travail, pas comme un sienna, pas de fille à sa famille, mais bon Dieu, tu sais le qui est dans mon plus que tout, quelque chose. Il est là pour dans la vie. Il est là, il est la source de la vie pour manifester, mon frère, mon sœur. Nous toujours dans le proverbe, nous avons le proverbe 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il s'incline partout où il vient. Proverbe 21, verset 1-2. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. C'est une révélation pour toi. Tu trouves ton dossier est bloqué. Officiel, il y a l'autre mois. District Council, il y a 100 mois. Là, ils ont fini de l'autre mois qu'ils ont préassisé pour trouver un dossier. Patron peut dire pas à Stella après lui pour mettre mon dossier. Pour de moi, incriment. Pour trouver. Pas quand ils ont fait, ils m'ont demandé. Le cœur du roi dit qu'on a un courant d'eau dans la main, bon Dieu. Bon Dieu dirige, bon Dieu incline que bon Dieu en vie. Un les rois, c'est celui qui gouvernait, celui qui dominait. Les mots exacts, c'est celui qui régnait, mon frère, mon sœur. Celui qui est puissant, celui qui a l'autorité dans la terre. Ça dit, monde qui est puissant là, ça, les rois qui ont l'autorité là, qui peut régner là. Sur les cœurs, dans la main, bon Dieu. Pasteur, patron peut faire dur contre moi, pasteur. Je peux dire une permission pour une réunion, pour un séminaire. Je peux dire, je ne pas mettre mon l'air chiffre, pas mettre mon travail, mon réunion. Je ne pas d'accord, pasteur. Priez-toi, la vie, les cœurs, ça les rois là. Les cœurs, ça CEO là. Les cœurs, ça directeur là. Les cœurs, ça patron là, dans la main de Dieu. Dieu, bon Dieu, tout ça, les cœurs là, de tout faveur, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Tu n'as pas un des rois, un patron, un CEO, un directeur, gouvernement, un chef, mais tu as les cœurs, tu as pensé, tu as la vie, tu as décision, tu as capacité et tu as habilité mentale et tout, intellectuelle, dit dans la main de Dieu. Au bout de mon temps, mon frère, c'est quand tu priais pour celui qui bon, tient une place à la tête, ou supposé prier pour le gouvernement et pour l'autorité. Même dans le travail, comme au supervisor, comme au patron, comme au manager. Amen. Priez que Dieu incline votre cœur. Dieu incline votre sentiment. Dieu incline votre décision d'être patron, d'être CEO, dans ta faveur. Afin que tu aies une permission qui vient, afin que bon Dieu fasse ta grâce, mon frère, mon sœur. Et les versets 2,
tous les voies de l'homme sont droits à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Pour un homme humain, ce qu'il peut faire là, bon là, tout correct là, il est bon là. Mon mal faire là, j'aime mon mal faire là, mon bien faire moi. Mais celui qui pèse sa pensée là, celui qui juge, mon frère Moïse, si vraiment il est bon ou soit non, c'est bon, c'est lui-même. Il est possible pour toi, tu veux bien faire, mais quelque part, tu veux mal faire si. Connais que Dieu, il guette dans tous les cœurs, il pèse le cœur, les sentiments, les émotions, les dévotions, l'honnêteté, la sincérité de tous les cœurs. Quelle raison tu veux faire ça? Pour montrer les autres, pour les autres acclament-toi de toi valeur, ou soit vous donne Dieu la gloire. C'est important ça. Tu n'es pas capable de cacher non rien à Dieu. Mon bon Dieu, il trouve tout. Dis à ton frère, tu sais, en côté de toi. Mon bon Dieu, il trouve tout. Il connaît tout. Mon bon Dieu, il trouve toi. Il connaît toi. Le peuple, vous avez dit, moi, pasteur, vous connaissez. Moi, pas quand j'avais une église. On prend l'exemple, nous tenons une réunion prière là. Vous connaissez, tenons une réunion prière. Ou tenons un rendez-vous, connaissez, tenons un rendez-vous. Amen. Qui date? 1er février, nous tenons un rendez-vous. Un meeting important, une réunion importante. C'est faire ça, les mondes, tu as été silimassé. Tu as un rendez-vous avec un docteur, un lair, tu penses à aller là, tu as été silimassé. Tu es capable de t'avoir un autre coup. Ou ça, tu attends quand tout le monde finit de consulter, là, tu es venu. Mon Dieu, tu trouves, il y a du monde à côté d'un docteur. Frère Akis. Il y a un rendez-vous 4 heures avec le docteur là. Et lui, il connaît le docteur là, il n'a pas ouvert 4 heures. Lui. Parce qu'il y a encore un travail, ce n'est pas que ça. C'est à partir de 4 heures, 15, 4 heures et demie qu'il commence à consulter. Il dit, mais pour un aller temps là, 4 heures et demie, moi aller. 5 heures moins 15, moi aller. Quand il est là-bas. Le secrétaire dit, je finis le numéro, moi. Ou attend. Si le docteur là, gagne le temps, dernier jour, il bouge tout. 4 heures 15, 4 heures et demie, il rentre là-bas. Il y a du monde qui doit consulter. C'était un demi. Ressasser d'abord. Mais si tu as choisi, il y a du monde reprend sa place. Il attend seulement. Tu considères qu'il y a une valeur. Et il est d'accord pour y attendre. Hein? Pour ne pas rater son rendez-vous là, sa fois là. Et il y a du monde. Il y a présenter la cour. Il y a tel jour, tel l'air. Tu es supposé là. Pas dire magistrat, magistrat là, pas connaître, pas parking dans la cour là. Dis à lui, vous faites délai tout, après vous revenez là, il vous attend moi. Et Warren, il finit de sortir, la police finit de retourner chez moi là. Ça l'est là, tu es parti devant magistrat, tu finis de commettre une deuxième offense là. Magistrat là, pas connaît, vous mercredi dans le bazar, pas tout bloqué. Il connaît, oui, à cause de ta vie, ça l'est là. Est-ce que tu es fidèle, tu es sincère? Peut-être que si tu viens dans l'air, tu peux attendre, tu peux gracier toi. Mais là, non, tu ne commettes une deuxième offense là. Bon Dieu. Tous les voies de l'homme sont droits à ses yeux, mais c'est bon Dieu qui pèse les cœurs. Est-ce qu'il y a une raison qu'il te peut donner? Il est valable. Pour moi, au bout de moi, il est valable. Mais devant bon Dieu, il n'est pas marcé, mon frère, mon sœur. Quelle raison tu peux donner pour ton absence? Les malheureux du 1er février, nous tenons 7 à 8 familles. Dans un grand nombre de chrétiens comme ça, 7 ou 8 familles qui sont présentes. En Corinthiens 16, verset 22, nous disons là, c'est le dernier. Celui qui n'aime pas Dieu, il est anathème, il est maudit. Comment tu es capable d'être content, bon Dieu, en Corinthiens 16, 22, pour ceux qui peuvent relire. Comment tu es capable d'être content, bon Dieu, mais tu n'es pas content de venir prier. Tu n'es pas content de venir dans sa présence. Tu n'es pas content d'avoir une communion, une conversation avec lui. Tu n'es pas venu dans un rendez-vous. C'est difficile, là. Tu n'es pas capable de dire à cause de l'appli, mais ça ne va pas tenir l'appli. D'ailleurs, tu fais une réunion là, ici, à cause de l'appli. Pas tenir l'appli. Mais hier, vous pouvez être étonné. Et en aller, l'appli peut tomber. Ça m'a dit que mon appli est dévoué pour ce que je vais faire. Je vais mettre dans l'appli, là, même les enfants, tout. Et en aller, après 2-3 minutes, l'appli a arrêté. Gros soleil, brillé. Je vais continuer à marcher seulement. Pas juste marcher, je vais faire ce que je vais faire. Tu sais faire. À cause de ce qui tient à hier. Mais est-ce qu'il nous vrai même?
Nous pouvons dire nous comptons bon Dieu. Bon Dieu dit juste les pensées de tous les cœurs, mon frère, mon sœur. Je ne peux pas croire que dormir est plus important. Je ne peux pas croire que tu peux vraiment avoir trop beaucoup de sommeil, trop beaucoup de fatigue. C'est un esprit mauvais si vraiment tu peux avoir trop beaucoup de sommeil. Hein? C'est un esprit lourd, un esprit mauvais que tu payes au toi. Est-ce que tu connais Jésus-Christ qui fait un reproche à ce disciple? Qui reproche si tu viens pasteur, je ne pas connaître. Tu n'es pas capable de prier au moins, je peux dormir. Lève prier. Veillez et priez. Pas dire à cause malade, à cause transport. Est-ce que tu faisais rendre un nouveau travail? Que tu faisais prendre un avion, soit tu faisais marier, que tu faisais demander une raison comme ça? Malgré que tu finis payer un taxi pour venir prendre toi, ou ton mariage, sauf que là, téléphone-toi 30 minutes avant. Ou connais un taxi en panne, pas pour qu'on vienne là. Tu es d'accord pour payer un taxi, même des fois plus. Viens prendre moi parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient marier là. Viens tout de suite. Pas fait non, reste pas décoré. Quitte pas ça, c'est là, viens tout de suite, toi. Mais que fais-nous pas d'un Dieu vraiment place qui vise. Que tu prends une interview, est-ce que tu vous fais pareil? Laisse-moi finir pour tout le monde toutes questions. La dernière, moi, je vais donner toute réponse, moi. Non, ton rendez-vous, 9h, toi, 9h. Si 9h 10, toi, 9h 10. Si 11h, toi, 11h. Si midi, toi, midi. Je n'ai pas mangé, ça ne pas te traquer, toi, qui les autres manger. Il dit, attends, midi, tu viens là, midi. Proverbe 21, verset 2. Tous les voies de l'homme sont droits à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Bon Dieu, il peut peser, il peut guetter tous les cœurs, il peut mettre le balance. Il compte tous les cœurs, il examine ce qui est au fond de tous les cœurs. Est-ce qu'il est vraiment un chrétien? Est-ce qu'il est vraiment Jésus-Christ dans toi? Ou soit quelque chose du monde qui doit te les cœurs? Les choses de ce monde? Les mondes pas guettent le soleil, ils pas guettent l'appli, ils pas guettent quelque chose qui pas n'importe qui affaire. Ils veulent qu'on fasse ce pèlerinage, ils veulent qu'on fasse ce bonnes affaires. Ils veulent montrer les plus sincères, les plus dévoués, les plus fidèles à ce faux Dieu qui est à toi, qui est un chrétien. Il ne fallait pas dire comme ça, mon frère, mon sœur. Nous vous montrer nous vraiment sincères avec bon Dieu. 1 Roi 8. Exauce les cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et range à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, quand seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. 1 Roi 8, verset 39. Réalis pour moi, monsieur. Vous partez encore dire, maintenant, verset. Exauce les cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et range à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, quand seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ça connaît le cœur tout du monde? Dieu tout seul. L'icône, l'équerre, l'icône, pensée, l'icône, dévotion, l'icône, émotion, caractère, manière, tout du monde dans la terre. Amen. Bon Dieu connaît tout. Seul Dieu qui connaît les cœurs de chacun de nous. Pas ici comme tout général, chacun dans ce l'équerre qui est là, bon Dieu connaît. Tu es capable d'essayer de tromper ta famille, tu es capable d'essayer de couiller moi, tes parents, ta maman, ton papa, capable d'essayer de couiller notre mari, notre madame, mais seul Dieu qui est capable, et seul Dieu qui connaît, qui est notre l'équerre, tu n'es pas capable de tromper le Créateur, celui qui crée ton l'équerre. C'est lui qui crée ton sentiment. C'est lui qui crée ton âme. Il connaît qui est dans le tolékir. À cause de la Bible dit à nous, tu aimeras ton Dieu de tout ton lékir, de toute ton âme, de toute ton pensée, de toute la force, de tout de toi-même. Mais qui veut dire tout? Parce qu'ils vont dire qu'on connaît, c'est les 99.9 ou soit vraiment du tout. 1%, 2%, 3%, tout est là, ou soit marqué. Bon Dieu connaît vraiment sincère. Tu n'es pas capable de tromper, Dieu, mon frère, mon sœur. Et lui-même connaît, derrière ton action, qui pensait tu es là, qui est qui tu es là, derrière ton réaction, derrière ce qu'il devait faire, est-ce qu'il te sincère, est-ce qu'il te fidèle, ou soit tu as un agenda caché, qui peut cacher à l'oreille, qui veut te faire ça, quelque chose, est-ce qu'il peut faire Dieu plaisir, est-ce qu'il peut chercher Dieu,
Nous pouvons être Luc chapitre 16. Un homme qui est pur, un homme qui est sincère. Luc 16, verset 15. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, quand ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Là, Jésus-Christ, pécouse, avec les pharisiens, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Tu peux paraître religieux, tu peux paraître, je plie comme la Bible, je plie comme prier, mais Jésus-Christ, comme vous pensez, et il fait ça reproche là. Je vais faire tout pour paraître comme un juste devant les hommes. Je vais refaire tout pour comment dire, dis-moi content aux autres. Je vais content dis-moi pour donner aux autres l'argent. Mais dans autres l'équipe, c'est la idolâtrie. Dans autres l'équipe, c'est la péché. Je plie concernant avec opinion. Qui dis-moi pour dire aux autres, pour penser aux autres, qui sincèrement, laisse-moi vivre mon la vie pour bon Dieu. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous êtes dans lesquels, là, tu as mauvaise chose, mauvaise pensée, mauvaise attitude, mauvaise parole, mauvaise opinion, je ne suis pas sincère. Ce qui peut plus préoccupe-toi, qui peut plus préoccupe-toi, qui se te plus donner importance de la vie des quotidiens, ce qui te peut vivre sur la terre, ou soit de la vie spirituelle. Qu'ils avaient te mettre plus d'importance. Est-ce que Dieu ou soit te méprise, mon Dieu? Dieu dit qu'on te l'équerre et dit attendre qu'il te répentit, mon frère, mon sœur. Chacun de nous. Bon Dieu, puis attendre te demande pardon, te refaire de la vie. Bon Dieu, puis attendre, mon frère, mon sœur, qu'il te purifie toi avec le sang de Jésus, mon frère, mon sœur. Te sanctifier toi. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit pour la persévérance. Mais vous causez des quais encore? C'est parabole du semeur, la sémence, la parole de Dieu. Mais verset 15, 8, 15, 8, Luc 8, 15. La parole qui tombe de la bonne terre, c'est celui qui vient entendre la parole avec un cœur honnête et bon. La caractère qui te besoin, hein? Manière qui te besoin dans ton équerre, quand tu écoutes la parole de Dieu. Garde ton équerre plus que tout qui chose. Mon besoin d'un équerre qui est honnête, mon besoin d'un équerre qui est bon, mon besoin de retenir la parole et pour autant du fruit avec persévérance. Tu peux pour un fruit avec persévérance. Dieu cherche un équerre qui est honnête. Dieu cherche un équerre qui est pur. À cause de ça, nous commençons avec 1 Samuel. Bon Dieu, pas de ton apparence, il pas de ton couleur, il pas de ton hauteur, il pas de ce qui te fait semblant, il pas de ce qui est dans l'équerre là. Parce qu'il pas de l'équerre là qui est honnête, qui est sincère, qui est pur, qui est droit devant lui, mon frère, mon sœur. Quand tu l'équerre pour bon, quand tu l'équerre pour sincère, quand tu l'équerre pour honnête, mon frère, mon sœur, pour fidèle, tu pour porter ban fruit avec persévérance. Je trouve ma papa réussi, pasteur. Je peux transpirer même, papa qui n'a rien, pasteur. Je peux donner même, mon papa recevoir. Parce qu'il te peut donner comme Ananias et Saphira. Malgré son donner, son mort seulement, son pas récolté. Est-ce qu'il te connaît Ananias et Saphira, tu sais, mais il n'a pas récolté, dit mort. Il n'a pas donné de bon cœur. Quand un fin donné, mais il n'a pas récolté, il comme a besoin. Il m'a donné. Bon Dieu, pégété, mon frère, mon sœur. Est-ce que tu es honnête et droit, les bons devant bon Dieu? Les là pour récolter. Est-ce que tu veux persévérer? Les là pour porter bon fruit. Tu n'as pas besoin de relâcher, tu n'as pas poussé. Le mot persévérer veut dire, je ne pas ralenti, je ne pas flétri, je ne pas arrêté, je contiens persévérer. Tu es plus béni quand tu es honnête devant bon Dieu. Quand tu es droit, tu as l'attitude, tu dévotion, tu droit devant bon Dieu. Tu es plus prospéré, tu peux porter bon fruit, il dit ici. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton
cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Comme une voix qui porte de Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Amen, amen. Gloire à Dieu. Purifie-toi les cœurs du mal, Jérusalem, afin que tu aies sauvé. Chacun y veut le soliquer. Chacun besoin il gagne l'autre ici là. Purifie ton cœur du mal, afin qu'il t'ait sauvé. C'est l'autre qui le prophète Jérémie peut de nous là. C'est une ordonnance à toi et à chacun de nous. Purifie-toi les cœurs du mal. Tu as besoin de repentir. Tu as besoin arrête pense le mal, arrête garde le mal dans ton cœur. Arrête de faire des péchés. Tu as besoin toi-même repentir. Demande pardon, purifie tous les cœurs. Mets dehors toute mauvaise image. Mets dehors début de tes sentiments, début de tous les cœurs. Toute mauvaise parole, toute mauvaise chose. Détruis et mets dehors toute mauvaise pensée. Rejette toute pensée l'amour. Rejette toute mauvaise pensée pour faire dito, négatif. Purifie tous les cœurs afin qu'il puisse être sauvé. Le mot sauver veut aussi dire. Pour te être délivré, purifier ton cœur. Le mot sauver veut dire ton envie d'être libéré, ben, la scène cassée. Tu n'es capable de venir pour sentir la scène cassée, mais c'est dans les cœurs la mauvaise chose. La scène n'a pas pour casser. Dit. Purifier ton cœur pour te être restauré, pour te vivre dans la paix, dans la joie. Arrête, garde ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais. Arrête, cultive dans ton cœur ben, une mauvaise parole, ben, une mauvaise pensée, mais ben, une bonne parole. Ce n'est pas ce qui te mange et boit, ce qui rentre dans ton ventre, qui salit ton corps. Mon frère, mon sœur, bien souvent, c'est un mauvais qui sort de ton corps là. C'est même pour dire, c'est même qui peut rendre toi impur devant bon Dieu. Purifier les corps là. Jérémie 4, verset 18. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Ce qui doit te l'équerre là, c'est pour dicter ton action. Ce qui doit te l'équerre là, c'est pour dicter parole qui te pour dire. C'est pour redonner ta une mauvaise parole pour te confesser, pour te penser. C'est pour dicter façon de agir. Ici, il dit, c'est même amer de te l'équerre. Méchanceté, les produire la méchanceté, les rendre jusqu'à l'équerre là. S'il te plaît, garde rancune contre quelqu'un. Tu n'es pas capable de pardonner. Tu peux garder mauvaise parole, le mal dans ton cœur. Tu peux entraîner toi pour dire le mal. Tu peux entraîner toi pour te critiquer, pour penser le mal et pour dire le mal. Tu as besoin de purifier toi, mon frère, mon sœur. Tu as besoin de nettoyer ton cœur. Tu as besoin de repentir. Confesse la parole de Dieu. Couvre-toi par le sang Jésus. Plante et arrose ton cœur beaucoup avec la parole de Dieu. Mauvaise parole là, tu peux déraciner, mais de bonnes paroles. Bon Dieu, il juge, il examine, il pèse sur les cœurs. Qui te peut garder dans les cœurs là? Est-ce qu'il y a bon sentiment? Est-ce qu'il y a bon parole? Est-ce qu'il y a façon de te peut raisonner? Vos pensées, ce n'est pas pensée de Dieu, c'est pensée de l'homme ça. Qui a été te peut penser? Qui a été te peut raisonner? Toi, tu finis à apprendre quand il bat de côté droit, Denis d'écoute aussi. Non, moi, mon père, tu as Denis côté gauche là, si. Mon frère, mon sœur, nous avons la même pensée. En ligne avec la parole de Dieu. Amen. Au fait, tu n'as pas le droit à une autre pensée, une autre lecture. Apporte ce qui bon Dieu désire dans toi. Laisse-toi pour gagner la victoire. Laisse-toi pour triompher. Laisse-toi pour trouver ta paix ici. Amen. Amen. Bon, invite d'autres, mes autres debout de notre place. On va vous continuer encore à ce là. C'est une prochaine, nous vous continuons dans l'équerre. Qui s'en examine sur l'équerre? Sur action, sur réaction, sur parole, sur dévotion. Ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut bien faire? Ou ça m'a fait plus bien encore? Est-ce qu'il peut bien marcher? Ou ça m'a fait plus bien à bon Dieu? Est-ce qu'il peut bien donner? Ou ça m'a fait plus bien encore? Est-ce qu'il peut bien louer, adorer? Ou ça m'a fait plus bien encore? Qui n'a pas de l'équerre? Ça poil là, mais qui dehors? Ça acquisition là, déraciné, mais dehors, mon frère, mon sœur. Qui chacun examine sur l'équerre lui-même? Il repentit. Il déracine, il met des hauts, ce qu'il vous a mis des hauts. Laisse la parole de Dieu enraciner dans toi pour te persévérer et te porter bon fruit. Garde la parole là au fond de ton cœur. Mon point de vue, pour lever la voix, pour repentir, pour refaire la vie. Seigneur, mon fils expose ta parole devant sa peuple là.
Le peuple finit écouter, Seigneur mon Dieu, qui quantité li important nouvelle nous l'écrire. Qui parole nous peut causer, nous peut méditer, nous peut dire. Qui sentiment nous est. Seigneur, toi te juges le cœur, les pensées de l'homme. Me donne-toi gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il te finit à te paguer le hôtel ou l'apparence. Te paguer ce qui frappe l'isier, Bandimoun. Mais Seigneur, te finit à Papa Père Céleste, te guette ce qui dans le cœur. Te peux redonner le cœur honnête. Te peux redonner le cœur sincère. Te peux redonner le cœur dévoué. Te peux redonner le cœur, Seigneur Dieu, de ceux qui vous servent, toi, en esprit, en vérité. Seigneur, mon louer toi, nous rejette et nous repentis, Seigneur Dieu, de ceux. Tout un moment, nous finissons capables de garder une mauvaise culture dans le cœur. Nous finissons capables de donner un prétexte pour n'importe quelle raison. Seigneur, nous mettons des hausses qui ont été pensées là. Une mauvaise culture qui peut encore prendre place dans le cœur, Seigneur mon Dieu. C'est un Dieu de chez qui est en cours. C'est un Dieu de chez qui est enraciné dans le cœur. Père, dictez-nous la vie, nous façons penser, nous façons causer, nous façons agir. Père, pardonne-nous, Seigneur. Mon commande qui s'appelle place sur le cœur, les libérer, les détacher de tout bon péché. Qui s'appelle place sur le cœur, c'est un Dieu de chez qui est libéré, d'être détaché de tout bon convoitise du monde. Qui s'appelle place sur le cœur, c'est un Dieu de chez qui est libéré. Et bien, la scène cassée est délivrée, Seigneur mon Dieu. De n'importe qui quitte ce, ben séduction, ben tentation, ben richesse, ben ceux qui les montrent au fiali. Ben la personne, c'est un Dieu de Dieu qui vous décourage. Ben la personne, c'est un Dieu de Dieu qui vous relâche. Au contraire, vous prenez un équerre qui humble, un équerre qui soumet, un équerre qui obéissant, un équerre qui écoute de la voix, de parole. Un équerre, c'est un mon Dieu qui persévérait avec toi. Vous louez toi, Papa, pour toute la grâce. Vous louez toi, Jésus, pour ta miséricorde. Me louer toi, Seigneur mon Dieu, pour ton onction, pour ta puissance, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit un lait qui est joyeux, c'est un bon remède. Amen. Un lait qui est joyeux, de pour garder toi en vie, en bonne santé. Amen. Veille le ton lait qui est plus que tout, qu'il chose. C'est très important, ça. Nous mettons assis à une place. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Mon talent pour faire les autres annonces. Moi, invite la sœur Rina pour continuer.